Alors on est reparti pour le 42e épisode, donc là j'ai fait une petite session off, je suis retourné donc à la fameuse gare de cuivre qui se fait défoncer la gueule depuis tout à l'heure. Et j'en ai profité pour mettre un petit stock de tourelles laser, parce que bah, je pense que ça peut aider. Et là je vais vous mettre un peu d'éclairage parce que on ne voit rien, un peu beaucoup même. Parce qu'on ne voit rien. Et je me suis fabriqué un petit tank aussi parce que j'en avais marre d'attendre le train. Au niveau de la gare de cuivre, du coup, bah là, je vais pouvoir y aller en tank. Comme ça, je peux kiter les aliens sans trop de problèmes. Même si je peux pas les tuer, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de munitions. Alors, il faudrait que j'en demande. Si je demande des munitions, je crois qu'il y en a en... Il me semble qu'il y en a en stock. Si je demande même toutes les munitions qu'il y a en stock. On va voir ce que ça donne. Parce qu'ils ont... normalement, ils en fabriquent pas. À quand la saison 3 de Craft the World? Ce sera le week-end... Ah non, parce que le week-end prochain, il y a peut-être la nouvelle Alpha de Factorio. Du coup, c'est soit le week-end prochain, soit le week-end d'après. Je pense que ce sera plutôt le week-end d'après. Bah ça va, c'était le week-end dernier, de toute façon, que j'ai terminé la saison 2. Donc c'est plutôt cool. Et ce que je disais, c'est que je ferai des VOD par épisode. Donc comme pour éviter les redives de 3h30 parce que c'est vrai que c'est un peu long. Hein. Moi j'ai regardé les premières, franchement même moi je trouvais que c'était vraiment trop long à regarder, du coup bah tant pis. Alors maintenant que c'est fait, maintenant que le mal est fait, c'est bon. Mais... Voilà, on va mettre donc les chargeurs ici. Et du coup voilà, au moins il aura une petite mitrailleuse, c'est toujours ça de prix. Et du coup voilà, on va mettre ça ici. Non, je vais plutôt le décaler histoire de pouvoir passer. Voilà, on va virer donc tout ce que je n'ai pas besoin, genre les moteurs déjà. Ça, il y avait quoi? Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Toujours faire le tri parce que sinon, on se retrouve toujours. De toute façon, vous voyez, mon inventaire il est encore, encore blindé hein, comme date. De toute façon, il est toujours blindé. Ça, ça ne change pas. Les robots, je vais les garder. Hop. On va te libérer. Voilà, cadeau. Ah non, je vais pas libérer. Bon, on va tout libérer, ils vont voir filer de toute façon. Ah mais non, je les ai pas demandé. Ah, c'est con, hein. C'est ballot. Mais ce qui est bien avec ces coffres jaunes, justement, c'est que ça permet vraiment de faire des tampons. Tout ce qu'on n'a pas besoin, on a juste à le mettre là. Et les robots peuvent se servir dès qu'ils en ont besoin. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et du coup on va s'attaquer donc au processeur. Et pour ça ouais, j'avais commencé ma petite ligne de soufre ici. Enfin la ligne de... pour faire l'acide. Ah oui, j'avais besoin du coup des... Mince. Ça va, ils sont pas très loin. Les deux modules de produits chimiques. Voilà. Encore de la chimie, hein, c'est incroyable. Plus de pollution, plus de bordel. Du coup on va mettre un ici et un ici et on va pouvoir faire du... c'est pas de l'acide, si c'est de l'acide. Il faut pour les processeurs, il faut de l'acide, c'est évident hein. Il faut le savoir qu'il faut de l'acide sulfurique pour faire des processeurs, je sais pas si c'est vraiment le cas dans la réalité. Mais en tout cas dans ce jeu là, oui. Est-ce que j'ai un... non, j'ai pas de... Bah, je vais en demander tiens, un stockage parce que je sais que j'en ai mis dans les coffres. Et pour éviter d'en refaire, voilà, je vais en demander un. Ah bah il était pas très loin. On va le mettre là. Du coup, bah j'ai juste à récupérer de la flotte qui est juste là. C'est pour ça d'ailleurs je voulais le faire en bas, parce qu'il y a l'eau qui est à proximité. Il me faut du souterrain. Et il va falloir du tuyau. Je vais refabriquer de toute façon. Parce que... Quoique j'en ai peut-être assez, mais c'est juste le temps que les robots se pointent. Il faut que je reste dans la zone orange aussi. Pour que ça puisse fonctionner. Ah oh bah c'est bon du coup, j'en ai combien là? Attends. 22, oh, ça va large. Ça va largement, oui. On va descendre. J'ai presque envie d'aller squatter le mini lac qui est là. Oh, oh, alors celui-là encore mieux. Le petit lac qui sert tellement à rien que je vais aller piocher de l'eau dedans. Voilà. Et la fameuse façon de déforester dans ce jeu. Très efficace. Besoin d'espace, du coup, bah on enlève les arbres, hein, normal. Bah, l'oxygène, c'est pour les faibles, hein, de toute façon. Là, je sais plus
crois que c'est bon, ouais. Hop, voilà. Donc ici on a de l'eau. Oh, c'est marrant, je trouve, ce petit machin. Et du coup, tac. Donc ici on a le soufre. Ici on va récupérer donc les ressources qui sont là. Et avec des bras plutôt longs. Un seul, ça suffit. Voilà, et là. Oh, on voit que ça met du temps quand même. Ouais, là, déjà, ça... là déjà ça suffit pas. Au niveau du souffle, je pense qu'il faudrait un deuxième coffre. Du coup ici on va limiter à, je sais pas, à 100. Et on va en mettre un deuxième juste à côté. Hop. Voilà. Et comme ça on va pouvoir enchaîner par ici. Et un petit copier-coller. Donc là ils vont distribuer, ok, très bien. Voilà, comme ça ça charge aussi bien que ça décharge. Ici ça monte, ouais ça a du mal hein, quand même, je trouve. Parce qu'il n'y a pas assez de souffle. Il n'y a pas assez de souffle. C'est chiant ça. À la limite que j'en remette d'autres ici. Ah oui, mais là je peux pas. Ah, c'est chiant ce jeu. On va remettre un. Ah, mais non, mais je peux même pas ici. Du coup, je suis obligé de prendre mon mal en patience en fait. Non, mais c'est bon, on voit que ça se stack donc en fait tout va bien. Et ici, ce qu'il en faut par processeur, il en faut combien? C'est ça le truc aussi. Info 0,5, donc ça va, c'est pas ouf. Le problème, c'est que des processeurs, on va les faire par 30. Enfin, je sais pas même par combien, mais on va en faire en masse en tout cas. Et du coup, on a la réserve qui est ici, et les matériaux sont là. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de mettre ça là. Déjà, est-ce qu'il y a moyen de mettre un souterrain de là? Évidemment, non. Ça aurait été trop beau. Putain, il m'énerve ce jeu des fois. Quand ça veut pas. Du coup lui on va le mettre ailleurs. Par contre j'ai plus besoin de ça, merci. On va le mettre dans ce sens là. Et comme ça je vais partir par ici. Hop. Là c'est bon. Là on peut ramener l'acide sulfurique par là-bas. Il n'y en a plus. Ah si, j'en avais en fait. Voilà, tac tac tac, on a les tuyaux carrés ici, et on va pouvoir faire juste une grosse ligne de processeurs par ici. Alors le problème que j'avais eu au niveau des processeurs, c'est que j'avais mis en fait des tuyaux pleins sur les machines d'assemblage. D'ailleurs il faut que j'en... Je vais faire les 20. Non, je vais peut-être pas faire les 20 du coup. Je vais en faire 15, ce sera déjà bien. Et j'avais eu un problème... Parce que j'avais fait une grosse ligne avec les tuyaux pleins et du coup j'avais plus de... Je pouvais plus circuler en fait. Je pouvais plus circuler. Du coup... Parce que là si je mets les deux lignes, plus une ligne de tuyaux, ça ira pas. Ou alors faudrait que je mette... Parce que là le truc c'est que c'est... Enfin le... Les circuits électroniques et circuits avancés... La circuit électronique, je suis obligé de garder sur deux rangées de toute façon, parce qu'il en faut 20 par machin. Et du coup, de toute façon, le circuit avancé, ce sera la même. Du coup, ce sera la même. Donc ici, on vient par là, et ici, alors là, j'avais trouvé la technique de fou. C'est qu'on fait un truc comme ça, donc là, voilà, pour l'esthétisme, on va continuer la ligne. Ici, on veut juste ça. Et là on met ça. Comme ça, ça fait un beau bordel. Voilà. Déjà le fait de poser les lignes, on va voir un petit peu si ça arrive à suivre au niveau des ressources. Sachant que je sais pas trop où ça va s'arrêter encore. Circuit électronique, j'en mettrai... Je mettrai limite deux rapides moi, par...
Parce que là, il faut ouais, que deux circuits avancés. Donc avec un bras long pour les circuits avancés, c'est suffisant. Et par contre, il faudra deux bras rapides pour les circuits électroniques. Ça, c'est clair à mettre. Du coup, on va mettre ça là. Donc, un ici et un ici. Je vais d'abord mettre les trucs, sinon je vais les récupérer. Là, il en faudrait bien plus, même des machines. Pourquoi j'ai pas de circuit? Ah, parce que je les ai pas, d'accord. Ah, j'ai plus d'engrenage. Si, engrenage j'ai. Mais j'ai plus les. J'ai plus les... Bah, j'ai pas besoin en fait, puisque là j'ai juste à faire ça. C'est vrai. Je suis bête. Hein. Par contre, les engrenages, ouais. Bon. Du cas, tu sors. Quand tu croises des tunnels. Hein? Ah, là! Oui, mais ça, ça va. Ils se croisent. Dans le. Mais ils sont en perpendiculaire, ils sont pas croisés dans. Enfin voilà quoi. Bref, tu m'embêtes hein. Voilà donc ce que je disais par rapport au circuit avancé, vous voyez que la production, bah, elle est pas folle hein. C'est pour ça que du coup, mettre un module de vitesse pour trois modules de machine, c'est pas mal. Trois modules de machine, ouais. C'est comme ça que ça se dit. Deux. Ok. Impec. Du coup, là, je vais pouvoir mettre. Et là, le truc, c'est que mes tuyaux. À la limite, si je mets un souterrain. Ah, mais non, puisqu'il me faut le bras long. Donc, en fait, je suis obligé de faire un tuyau au-dessus. Et je serais même obligé de mettre des souterrains. Ou alors, faut que je mette un bras long en sortie. Bête. On va voir de toute façon ce que ça va donner au niveau de la prod, mais je pense que pour les circuits avancés, il va falloir que je fasse une deuxième ligne. Pour les circuits électroniques, bah on va voir. De toute façon, je vais lancer les processeurs, on va voir ce que ça va donner. Après, je pense faire les lignes pour les. Une ébauche, ce sera également un blueprint pour les circuits, pour les modules de niveau 1. Parce que c'est eux qui vont être les plus chiants par rapport au fait qu'ils utilisent des circuits électroniques. Ah, j'ai plus de souterrain. On va refaire du coup. Là, faut que j'en fasse 10. Je sais plus combien j'ai de machines, mais en tout cas, il m'en faut beaucoup. Je vais faire un truc comme ça. Comme ça, je pourrais mettre le tapis ici. Je pense que ce sera le mieux. Et puis le tuyau, du coup, bah, je l'amènerai là-haut. Ah oui, là, clairement, il va me falloir plus que ça. Là, clairement... Ouais, mais du coup, là, c'est pareil, je peux pas... Ouais, je peux toujours sortir ici. Ah, il va falloir que je remette des postes électriques. De toute façon, au-dessus, ça va être les circuits, je pense. Quoique, peut-être prévoir un espace pour... Parce que là, on voit que rien que les circuits, déjà, c'est la misère. Je sais pas si ça vaut le coup. Le problème, c'est de refaire une deuxième ligne de circuit. Est-ce que le fer va suivre, quoi? Bah déjà, le cuivre, il suit pas. Ça, c'est ce que t'avais dit, Lucas, je crois, hein, au niveau du cuivre. On voit clairement, ça suit pas. À la limite, je pourrais rallonger la ligne de four. Là on voit que ça se stack au niveau du minerai. Jérémy, pour la sortie les bras normaux suffisent. Oui mais je les ai pas dans mon inventaire la flemme. Je sais que ça suffit hein, évidemment. Mais c'est vrai que quand j'arrive en. Quand j'arrive à la fin du jeu, je mets souvent du. Je mets souvent des bras rapides. Voilà, là ce qui est bien c'est que j'arrive pile. Ah oui non par contre là. Donc, on va aller à peu près à la moitié. C'est où la moitié? C'est ici. Ah oui mais je peux pas puisqu'il y a le tuyau. Ou alors je fais une exception, c'est-à-dire que là par exemple, je mets le truc ici. Du coup je peux mettre mon répartiteur là. Pour diviser les trucs. Bon soit tout à fait au centre mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez hop, on va mettre ça.
Bon, du coup, ça consomme quand même pas mal de souterrain de faire comme ça. Mais... Je suis un peu sûr qu'on aura assez. Ah non, j'ai carrément pas assez. Là, il m'en faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Alors là, on voit que c'est encore limite hein, au niveau de l'énergie. Pourtant, j'ai rajouté pas mal d'accu, mais. C'est ouf ça. C'est ouf. Ah salut! Je me disais c'est bizarre. Et là il y a quoi? Ah oui là j'avais fait déjà du nettoyage. Ah oui c'est la fameuse partie où j'ai commencé à nettoyer. Il va falloir que je ferme tout ça d'ailleurs. Pour ça il va falloir une bonne dose de mur. Donc du coup ça c'est bon. Par contre il me faut peut-être pas 150 trucs mais... On va voir comment il faut. Et après, je m'occupe de la défense. Parce que là, clairement, il va falloir. Ah, donc là, je mets du plein. J'en ai plus encore. Voilà. Voilà. Ok, donc ensuite il y a juste à continuer à ceci. Tac et il m'en manque un. Hop, on le fait, on pose. Voilà et là ça y est, ça pose. Et là vous voyez que les circuits. Ça va partir très vite. Par contre, en sortie, je vais remettre des postes électriques. Parce que c'est la vie. Postes électriques, c'est trop bien. Et... En tout cas, au niveau de la production des processeurs, là on est très bien. Par contre, on voit clairement qu'au niveau des circuits, ça va pas du tout. Il faut plus de cuivre. Et je pense qu'il faut une deuxième ligne de circuit. Voilà, on voit clairement, ils se font piquer instant là, par les trucs. Bah, vu qu'il en faut 20 par machine, du coup, ça part quand même vachement vite. Donc ça, c'est un problème. Et il y a aussi un deuxième problème, c'est que j'ai fait mon truc trop près des fours. Et du coup, bah, c'est la merde. Déjà, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer cette ligne-là et je vais l'amener là-bas. Alors, non, on va la rallonger, j'avais dit plutôt. Je sais que si je peux la garder, ça m'arrangerait si je pouvais la garder. Ah, il faut des briques de pierre. Voilà. Est-ce que j'ai des fours là? Je sais pas si j'avais du rap de four en fait. Ah oui, j'en avais plein. Ok. Je vais les crafter. On va remettre un postis. J'en avais pas d'autres? Ah oui, non, j'en avais pas crafté. J'avais fait juste assez. Comme je disais, voilà, c'est pour ça que c'est assez long. On se dit, ouais, il reste juste les modules de niveau 3 à faire, mais les ressources partent vraiment très vite hein, dès qu'on commence à faire justement ces modules. Du coup, c'est vrai que. Ouais, mais là. Ah, si, c'est bon, là, ça passe. Et là, je me fais attaquer, je sais pas où. Mais je me fais attaquer. Ok. Du coup là on est bon. Moi si j'aurais pas pu décaler. Voilà. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hop. Comme ça. Si je le décalais de 1 vers le bas, mais du coup il aurait pas été relié au-dessus, donc ça aurait pas été. Bon, on va laisser comme ça, c'est très bien. Hop.
Voilà, car au moins on va pouvoir usiner comme des gros porcs sur cette base. Ça va, j'ai 20 minutes, il y a encore un peu de temps. Déjà essayer de résoudre un peu ce problème justement de circuit électronique. Le problème c'est que les processeurs vont se stacker et du coup je vais pas bien voir où j'en serai au niveau de la production. Et si je commence à faire les modules de niveau 1 alors que j'ai pas réglé ce problème de circuit, bah ça va être ça va faire des gros soucis. Je dors sur ma chaise, je vais aller faire dodo avec toi demain pour aller bosser. Ok, bonne nuit. Et tout le monde bosse le lundi, dis donc, c'est ouf. Bonne nuit à toi et merci en tout cas d'être resté si tard hein, du coup. Et que je savais pas que t'allais travailler en tout cas. Voilà, bon courage pour demain. Y'a personne qui fait le pont, hein. C'est fou ça. C'est dingue. Bon là on voit que le cuir ça va un petit peu mieux. Ce qui est chiant c'est que ça se stack là. Ça m'énerve. Ça se stack ici mais là on peut pas faire grand chose. Alors ça veut dire qu'il faudrait plus de four encore. Si ça se stack. Ça veut dire qu'il en faudrait plus, ouais, je pense. Le problème c'est que là j'ai plus de trucs. Ou alors faut que je vire ce truc de flotte. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Déjà on voit que ça a aidé un peu. Moi je pense que si on arrive à régler le problème de cuivre au niveau du circuit, ça va aller tout seul. Hein, parce que là clairement voilà, ce qui manque c'est les câbles. Du coup on va enlever ça. Et on va descendre le plus bas possible. Le problème c'est que je suis un peu limité là au niveau de mon espace. On va venir par ici. Dans la joie et la bonne humeur. Hop. Évidemment faut qu'il soit décalé. Bon, à la limite c'est pas très grave en soi mais bon c'est chiant. C'est toujours un peu chiant quand ça décale, ça m'énerve. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la dure loi du jeu. Moi aussi je commence à être fatigué quand même un peu. Tac. J'ai pu avoir plus de 3 secondes de vidéo sans lag. Ah bon? C'est bizarre, pourtant ça marchait très bien avant, non? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Ou alors c'est que ton frère il pompe la connexion? Ah, je peux en rajouter un là. Du coup, on va refaire deux. Ouais, ici c'est bon. Bon là, ça devrait aller mieux, je pense. Enfin, du moins, le cuivre, le minerai de cuivre devrait plus se stacker. Après, je sais pas si ça suffira pour les. Pour les circuits électroniques. Vraiment compliqué cette histoire de circuits électroniques. Ça consomme tellement de cuivre que du coup, c'est toujours un peu un problème, justement. Ah, là, il n'y a plus de minerai. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça se stack plus! D'accord. Ok, donc là j'utilise tout mon. J'utilise tout le minerai. Ça se stackait alors que là ça arrive même plus en bout de ligne. C'est assez bizarre. Mon PC c'est juste connecté à la box du voisin. Ah ouais, d'accord, ok. La box du voisin qui a une connexion pourrie évidemment, hein, vous l'aurez deviné. Alors là je comprends pas, ça s'est stacké et puis maintenant ils ont décidé que non, finalement il n'y a plus besoin. Bon bah on va virer ça. Ça ne sert à rien ce que je viens de faire. On en arrive à 25 minutes. Ouais, bah demain ça va être vraiment épisode réflexion parce que merde, en plus c'est en train de me défoncer ma base. C'est vrai que j'ai pas mis les défenses parce que j'ai des capsules sur moi, j'ai pas envie de casser le tout mon matos. Qu'est-ce qu'ils ont cassé? Les robots? Non, c'était quoi là? Y'avait rien ici. Manque de tuyaux. Ah, on détruit ça.
Alors. C'est bon là, non? Ouais, là c'est bon. Ok. Robot de défense, toujours efficace. D'ailleurs, faudrait que j'aille voir pour les robots d'attaque. Peut-être terminer là-dessus, justement. Sur une petite baston. Ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce qui manque là? Des tuyaux. Et il manquait une machine d'assemblage. Là normalement c'est bon hein. 7. Là c'est bon, je les ai mis là non? Ah. Je peux mal les réparer. Je vais mettre quelques tourelles et puis on va se faire ça. Pour terminer, bon là on voit qu'au niveau du cuivre, ouais, il va falloir que je rejoigne. Bon, on va faire ça vite fait. Puis j'irai après pour voir cette histoire. Là, ça se divise ici pour ça. Et ensuite, ouais. De toute façon, il faut faire d'abord les circuits avancés avant de faire cela. On voit que ça commence à venir, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas assez de cuivre, tout simplement. Il faut arriver à saturer. Alors, saturer un tapis express, c'est pas gagné, ni d'avance. Voilà, juste je vais mettre un peu de défense pour éviter voilà, que ça se reproduise. Là-bas, il y en a normalement. Ouais. Et on voit qu'ils sont passés par ici, donc. Voilà, des tourelles aux endroits stratégiques. Je vais aller donc compléter l'outil de four. Je vais faire pareil à côté en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a, c'est dans le réseau ouais. Ah mais j'ai pas mon planificateur. Est-ce que je peux le demander? Ouais. C'est quand même plus simple. Ici. C'est quand même beaucoup plus simple avec ça. Voilà, ici on ouvre. Lui il va faire chier. Bah lui j'en ai plus besoin. Revenir. Lui j'en ai plus besoin. D'ailleurs on voit que ça manque de lumière. Ah, il va manquer de four encore. Ok, et là j'ai plus de circuit avancé, donc on va en récupérer encore. Vas-y donne. Bah déjà là en doublant je pense la production de plaques de cuivre ça devrait arranger pas mal la chose. Du moins je l'espère. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un problème justement avec le cuivre dès qu'on commence à faire les... Parce que là je me dis autant peut-être que ça suffira en fait le système que j'ai là. Juste mettre. Ils m'ont pas donné mes circuits avancés là. Oh, ils sont relous. Ah, parce qu'il n'y a plus le roboport. Oui. Voilà, du coup là, ils s'affairent comme des ouf. Mais bon, si je viens ici, il y a déjà les circuits avancés qui sont sur place. Donc... Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. En tout cas, on voit qu'au niveau du cuivre, bah, il va falloir que je rajoute des gisements. C'est pour ça que ça se stocke, ça sert à rien les fours car en fait c'est la sortie qui est plein, qui est pleine et qui bloque. Ah bon? Bah là ça bloque pas en tout cas, hein. On voit que tout est pris. Et ça le stock. Tu dis ça sert à rien les. Ah les fours. Bah ça sert à. Si ça sert à transformer le minerai quoi. Bah oui si c'est. Pourquoi je dis ça en fait, que ça sert à rien les fours? Ça sert les fours puisque t'en as besoin pour transformer les matières premières. Parce que là, du coup... Si je passe par ici...
C'est le cuir, hein, c'est pas le fer. Et là, ici on rejoint ici. Ah. Il me ramène tous les circuits. Putain, ils ont mis 3 ans et demi à revenir quoi. C'est sérieux. Hop. Ah, il y a une attaque là, j'entends. De où t'es passé par où toi? Un Epli? T'es passé où? T'es passé par en bas. Ah oui, t'es passé par là. Voilà. Les tourettes. Ah oui, j'ai que ça, ok, d'accord. Nice. Génial. Oui, mais ta rangée de gauche, regarde, elle va se restack car elle n'est pas consommée. Ah, celle-là, là. Ouais, mais là, on voit que ça déstack ici. Là, du coup, ça apporte un gros truc parce que bah, tout ça, c'était plein. Donc là, c'est le temps que les fours se vident. Ouais. Et on voit que même avec ça, ça suffit pas. Je pense qu'il faudrait une deuxième ligne. Ah oui, mais du coup, je peux pas la mettre. Quoique si, en fait, il suffirait que je mette un souterrain là-dedans, enfin, je crois. Ou alors peut-être diviser cette truc en deux. Parce que là, même si le... Même si là, c'est plein... On voit que ça suffit pas, quoi. On a l'impression. Alors là, par contre, je vois qu'il y a un souci. C'est que lui... En fait, c'est faut pas le mettre ici. Parce que lui il fait la rangée du haut et on voit qu'il n'arrivait pas justement à se mettre. Du coup là on va venir là et on va mettre le répartiteur ici. Ah mais non mais pas. On va le mettre là, on va plutôt le mettre ici. Tant pis, ce sera pas en début de ligne mais bon, c'est pas très grave. En soi, de toute façon c'est pas bien grave. Voilà, comme ça au moins. Ça revient en force. Bon là du coup il y en a masse. Et là on voit que les circuits. Putain, même avec ça c'est limite quoi. C'est galère hein, c'est vraiment galère. En tout cas on voit que ce système est pas vraiment au point. Rajouter des... du cuivre au niveau de la base déjà, ce serait pas mal. Et moi j'aurais envie. Tu mets la ligne en parallèle avec des répartiteurs de temps en temps. Ici tu parles. Ouais mais là le problème c'est que du coup vu qu'il y a les robots. Enfin les robots ports je peux les décaler. Par contre les postes je peux pas, il y a ça que je peux pas décaler. En plus eux ils ont besoin de fil de cuivre aussi. Du coup ouais je vais peut-être essayer ça. C'est vrai que ça me paraît être la meilleure solution. Effectivement. Lui on va le décaler. Ouh, il y avait masse truc. Ah, voilà. Oh, j'aurais pu directement les poser dedans en fait. Ouais. Au moins. Ah mais non, j'ai trop de constructeurs. Voilà. Là j'en ai assez. Tu sors les souterrains juste pour les répartiteurs. Ah ouais mais sauf que les tout-terrains express ça coûte hyper cher hein, donc on va éviter ça. Bon là déjà, si ça arrive jusque là déjà c'est cool. Bah, déjà on va essayer comme ça voir ce que ça donne. Pour moi c'est pas la meilleure des solutions parce que il y aura toujours un problème de ressources même sur deux voies. Après c'est vrai que ça peut dépanner ça, c'est sûr. Parce que là par exemple du coup ouais, ça permet d'alimenter un petit peu ce qu'il y a là aussi. Donc, c'est vrai que c'est toujours ça de plus. Ah, ici. Ah, ici par contre il n'y a déjà plus rien. Bref. On voit que c'est la dèche en tout cas au niveau du minerai. Et ah oui. Je viens de comprendre, c'est que vu qu'il y a un problème d'énergie. On voit que les bras fonctionnent au ralenti. Du coup, je pense que c'est surtout ça qui fait que...
ça pose problème. Et revoir cette sortie de train aussi, elle est pas du tout au point. Donc, je pense pour faire cette gare dans un prochain épisode. Là, on arrive à 35 minutes, du coup, je vais... Allez, on va pousser un petit peu. Juste, je vais aller titiller les biters qui sont là avec les capsules, enfin les robots d'attaque que j'ai pu faire. Je pense que les robots d'attaque, ça fait vraiment le café. C'est ce qui fait le plus de dégâts, hein, clairement. Faudra juste que je fasse attention. Bah, les capsules de distraction, j'en aurais plus vraiment besoin, du coup. Et justement, la recherche nombre maximum de robots de combat sert essentiellement à ces capsules, enfin ces robots d'attaque. Et on en a... Ah oui, quand même, 125. Bon, ça va, moi je vais en commander une centaine, alors. Hein, du coup, un petit sac. Ouais. Je pense que ce sera pas mal, un cadeau, je te donne ça. Ouais. Je prends un petit stack. Comme ça j'aurai tout ce qu'il faut et je vais leur dire d'amener le reste ici. Du coup on va remplacer par les robots d'attaque en fait. Ça on va le mettre ailleurs parce que je sais pas s'il les récup en fait. Du coup on va le mettre. Ah y'a plus de stocker. Moi il me semble qu'il les prenne hein, là-dedans. Je sais plus. En tout cas, là, ça va faire mal. Et pourquoi il m'a remis un stack de ceux-là? Ah oui, c'est parce que j'ai récupéré ce qu'il y avait. Il y avait un coffre. Ok. Bon, bah là, avec ça, je pense que ça va faire mal. En tout cas, voilà. Problème de cuivre à régler. Hein. Là, c'est pas vraiment au point. On va juste aller se faire plaisir pour la fin. Je vais d'ailleurs sauvegarder la partie. Donc, c'est le 42. Et on va aller voir un petit peu ce camp au nord, hein, il est énorme. Alors je pense que ça va être vraiment limite puisque j'ai pas la défense qui va avec tout simplement. J'ai l'attaque mais j'ai pas la défense du coup. Mais je pense que déjà ce sera beaucoup plus simple comme ça. Que par rapport... Bah déjà parce que les capsules de distracteur, fallait que j'essaie de les poser. Alors que ils les prennent pas dans un requester. Bah il me semble que si, hein. S'il n'y a plus la demande du requester, ils les prennent je crois. Là, je vais mettre 5. Ah, on est des ouf, on va mettre 6. Une trentaine de robots. Et là, on va pouvoir y aller avec les capsules directement. Et là, vous voyez la différence. Voilà. Donc là, j'ai pas la défense, mais j'ai l'attaque. Et en gros, avec la masse de boucliers, ben, on peut foncer vraiment dans le tas. Là, en faisant attention, en y allant à tâtons, il y a moyen. Même sans avoir l'armure MK2. Il faut quand même faire attention. Parce que si je prends trop dans le tas justement, c'est un peu le risque. Déjà là on est clairement un peu foncé dans le tas. Par contre voilà, on voit un dé qui commence à m'attaquer, le bouclier qui part instant, c'est normal. Il y a vraiment beaucoup de biters, mais on y arrive hein. On y arrive. Voilà, avec la MK2 franchement, sans aucun souci. Là déjà, rien qu'avec ça on est bien. J'ai utilisé que 6 capsules. J'ai perdu... J'ai perdu quoi là d'ailleurs? Quoi? J'ai perdu une tourelle? Ça doit être au niveau du cuir. Ah non, c'est là. Ah bah là oui, je viens d'en perdre. Ah ok. Le flow continue de mettre. On va avancer encore un peu. Faire attention quand même. On voit que la base est vraiment immense. Les bikers n'arrêtent pas de venir en bout. Et en fait la différence c'est qu'avec le MK2, bah, je pourrais avancer comme ça non-stop, foncer dans le tas et tout détruire. Alors que là je suis quand même obligé de temporiser parce que bah, je me fais toucher. Une fois que le bouclier, voilà. Bah, j'aurai tout simplement deux fois plus de bouclier et il se rechargera à la même vitesse. Donc, je vais plus, hein. On voit que les robots d'attaque ils tiennent plutôt bien. Ça, c'est plutôt cool. Ah par contre là on va... Quelques robots. Donc là j'ai consommé une dizaine de capsules mais vous voyez que la base... Là avec la MK2 je pense que la grosse base j'aurais eu le temps de la buter avant que les capsules se barrent. Simplement.
Et là clairement les dégâts c'est les robots hein, qui les font. Moi j'aide juste un peu au DPS. Et sinon c'est surtout les robots qui font ça. Bon, fait attention hein, on voit que le bouclier ça me nuise. En tout cas ça fait plaisir, voilà, une petite fin d'épisode. On va pas dire détente, mais voilà, après justement ce problème de cuivre là, je trouve que ça fait du bien de pouvoir dégommer ses bases. Bon, j'ai consommé beaucoup de capsules, mais voilà, une dizaine de capsules, ça me permet d'arriver au bout du gros spawner. Même si là je perds mes robots d'attaque, je pourrais terminer ça. Par contre, là, je pense pas que j'aurai le temps d'aller en bas. En tout cas, là, vous voyez que je vais voir si j'ai le temps d'aller en bas. Comme ça je serai un peu moins embêté au niveau de feu. Essayer de se dépêcher parce que là les capsules vont pas tarder à s'en aller je pense. Du coup voilà, essayer de focus en priorité les spawners évidemment. Je crois pas que les robots de. Je crois pas que les robots d'attaque attaquent les spawners. En tout cas on voit que là c'est voilà l'invasion des biters, ça y est, c'est bon, ils sont toujours aussi chiants mais voilà, bah pile poil bon timing là, j'ai réussi à clean une belle base en tout cas, ça fait plaisir. Donc je vais récupérer tout ça et puis on va pouvoir arrêter cet épisode. Du coup bah je vous invite donc à revenir ah mais non là je suis encore dans la VOD donc voilà, je vais arrêter cet épisode donc sur le ramassage de ces artefacts aliens. Alors on voit qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Je pense que là je vais dépasser les deux stacks sans aucun souci. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez bye.